Salut à tous, c'est Under Excel pour la première vidéo de l'année. Donc bonne année à tous. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire parce que tout simplement c'est dur de se remettre des fêtes et j'ai pas vraiment eu le temps entre les fêtes et tout ça de tourner des vidéos. Donc on se retrouve ici sur une petite vidéo de Planet Coaster. Donc le mode carrière, tout simplement j'ai déjà vu trop de gens le faire. Donc ici je vais partir en mode bac à sable. Je vais prendre le Sylvestre parce que tout le reste, c'est des trucs qui me plaisent pas trop. Il y a juste le Sylvestre qui me plaît vraiment bien. Et au niveau du nom du parc, ça, c'est encore à deviner. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce serait vraiment chouette. Et on va commencer tout de suite à faire le parc. Donc, ça c'est notre petit terrain de jeu. Enfin, petit, qui est quand même assez imposant. Donc ici, dans cet épisode-ci, on va essayer de terraformer un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire à tel endroit. Déjà mettre aussi des routes. Attendez, hein. Au niveau des routes... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Faut trouver une route qui est plus ou moins chouette. Celle-là, elle est assez classique. Attendez. Hop, on va faire assez large directement. Voilà. Donc ici on a notre entrée du parc. Pour l'instant il n'y a pas encore grand chose. Je ferais bien justement ici... Attendez, on va sélectionner la grille, c'est plus facile pour construire comme ceci. Donc ici il y aurait peut-être bien une place. Enfin je vois bien une place en tout cas. Assez large. Ouais, ça c'est bon. Au niveau de la taille de la place, je séparerai bien les différentes zones par du relief ou je sais pas quoi, parce que je compte bien faire la zone western habituelle qui est à peu près dans tous les parcs d'attractions. Je ferai une zone médiévale aussi, ce qui m'intéresserait. Bon, je montre ici avec mon curseur, mais je sais pas encore comment je vais faire. Donc une zone médiévale, la zone pirate évidemment, vu que c'est avec ça qu'on commence le mode carrière dans Planet Coaster. On a déjà deux pélos qui viennent ici, on va mettre sur pause. Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore comme zone? Et une zone futuriste. Ça ferait quatre zones qu'on séparerait, je ne sais pas encore trop comment. Ici on va garder l'entrée ici libre. On va faire un petit bâtiment pour faire une entrée assez jolie. Bon, je vais m'inspirer de certains bâtiments que j'ai vus sur le Steam Workshop. Je vais même en utiliser certains parce que mes talents de constructeur ici ils sont pas très élevés. Par exemple, regardez ici le bâtiment juste ici, il est juste magnifique. Ça fait beaucoup de juste dedans. Ici j'ai fait pas mal de bâtiments western, enfin j'ai téléchargé pas mal de bâtiments western. Il y a même des petites montagnes russes assez agréables et tout, donc ça on verra bien ce qu'on va en faire. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, on va avoir une allée principale, hop, comme ça, qui va partir bien au milieu, qui sera assez longue. Je la mettrai même un peu plus large comme ça. Une grosse allée. Une vraiment très grosse allée qui part par ici. Voilà. Je sais pas si on... Non, on sait pas. Donc je spam click en attendant. Cette grosse allée va certainement mener dans cette zone-ci sur un assez gros carrefour. Hop. Voilà, donc on aurait le carrefour ici qui mènerait vers les différentes zones. Je sais pas encore comment les faire ces différentes zones. Donc les gens arriveraient par ici, on fera un petit décor par ici également. On va avoir des allées de chaque côté ici. Ah oui, évidemment c'est pas au milieu. Donc j'ai déjà mes 2-3 idées. Des allées qui vont faire le tour comme ceci. Hop.
Voilà, et une autre de l'autre côté, bien en face. Donc celle-là, hop. Et après on fait tourner légèrement. Voilà. Comme ceci. Donc ici c'est la forme générale du parc d'attractions. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je ne sais pas encore si ça va rester comme ça. Donc on va continuer sur cette grille-là. Hop. Donc les grosses allées ici, elles vont partir chacune de leur côté. Voilà. Et au milieu de ces allées, donc il va avoir... Enfin, au milieu de ces allées. Il y aura des séparations par des montagnes qu'on va faire tout de suite. Bon, pour mon terraforming, il n'est pas encore exceptionnel, je vais dire. Donc, je vais faire avec. Excusez-moi. Je suis un peu malade, donc je sais pas si ça s'entend. Hop. Voilà. Donc ici, on aura une première séparation. D'ailleurs, j'ai pas l'impression... Ouais, c'est pas encore terrible. Ça monte pas extrêmement vite. Donc voilà la première séparation qu'il y aura qui va partir jusqu'ici. Hop. On va faire quelque chose d'assez bien. Enfin, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez bien. Donc on va élargir de chaque côté. Hop, pour qu'on ait une petite colline. Voilà. Voilà, ça, la forme, je l'aime bien par contre. Là, j'aime bien la forme. Donc ça, c'est notre première séparation. Voilà. Hop, de ce côté-ci, on va faire ça. Voilà. Là, il y aura un trou pour faire passer le chemin, je pense bien. Enfin, je pense faire comme ça, c'est... Je sais pas encore trop. Donc, voilà. Ah, je suis assez content de la petite colline ici. Donc, maintenant, pour qu'elle soit encore plus belle, on va la lisser de partout. Comme ça, il n'y a plus les petits à-coups qu'on voit un peu partout. Voilà. Voilà. On continue à lisser. Donc ça, c'est la première séparation qu'on a dans le parc. Donc ici, on aura une zone. Là, on aura une autre zone. Là, une autre zone. Et là, une autre zone. Ce sera vraiment le parc séparé en quatre. Donc ici, on va faire la séparation de la deuxième zone qui va partir comme ceci. On va même la faire passer comme ça. Voilà, là c'est bon. Et voilà, donc on va partir sur le même délire, même faire un petit peu comme ça parce que à terme il y aura un train qui va partir aux différents endroits du parc. Ah ouais, attendez, j'ai une petite idée justement, et ça c'est par rapport au train. D'ailleurs, je pense même que si on a le temps, on va le faire directement dans cet épisode, le train. Ouais, on aura le temps, je pense bien. Je regarde en même temps sur le côté pour voir si on a le temps. Et d'après ce que je vois, on aurait assez bien le temps. Donc ici, on a une petite séparation, voilà, qui va partir comme ici, comme ça. Ouais, ça c'est bon. Il faudrait que je teste un truc, mais voir si on sait faire justement passer le train ici à travers la route. Si on y arrive, je vais le faire. Si on n'arrive pas, je sais pas ce que je vais faire. Ça, je sais pas encore. Peut-être le faire passer surélevé. Parce que le train, j'ai pas envie de le mettre directement à l'entrée ici. J'ai envie de le mettre un peu en recul dans ces environs-ci. Donc, ça, c'est à voir. Donc, ça, c'est fait. Non, pour les routes, je sais comment on va faire. On va encore reprendre les routes. Voilà, qu'on fait partir du milieu. Comme ça. Et voilà. Et on a les routes de chaque côté. Ça, c'est parfait. Et ici,
où je ferai un bâtiment, mais on doit faire une dernière séparation avec le terrain. Lisser cette partie-ci. Voilà, même elle est pas terrible, attendez. On va l'améliorer un petit peu. Voilà. Comme ça, on a une belle petite colline par ici. On va la lisser tout de suite. Voilà. Donc, on avait dit qu'on allait faire la dernière séparation ici. Je la ferai bien comme ceci. Ou bien, attendez. J'hésite entre faire fort futuriste ou conte de fées. C'est ce que j'hésite maintenant. J'hésite à faire les deux. Attendez, j'ai fait une. Voilà. Un mauvais truc. J'ai fait une petite mauvaise manip. Voilà. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. Il faut voir d'ici. Ouais, c'est pas du tout haut, mais c'est pas grave. On va l'augmenter. Il faut juste que le train passe parfaitement en dessous. Voilà. Comme ça. Donc ici on aura un bâtiment, donc on va laisser un peu de place. Je ferai un petit bâtiment marchand ici dans le coin. On va lisser jusqu'à la surface, aplanir jusqu'à la surface. Voilà, comme ça on a le terrain pour construire les bâtiments. Hop, on va s'occuper ici. Alors franchement, je ferais bien un petit parc conte de fées par ici. Maintenant que je réfléchis un peu, un petit parc conte de fées, ce serait pas une mauvaise idée. Hop, donc voilà, et on va lisser pour que ça fasse bien. Voilà. Donc on a nos séparations de terrain. Et je vais faire vite fait le test. Donc il faut les attractions sur rail. Train autopropulsé. Bon, on va essayer un petit quelque chose. Je pense pas que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. On va enlever même le tunnel auto. Donc ce qu'on va faire ici, donc ce sera l'avenue principale. Je ferai bien une ville bah, à peu près comme maintenant. Donc une ville bah, des temps actuels. Et je vois bien, quand on est ici, je vois bien justement le train ici en plein milieu, qui passe à travers les bâtiments. Donc, train, l'Iron Horse, il est plus beau que l'autre. Voilà, comme ceci, pas trop haut, évidemment. Hop, on va pas le faire trop haut, on va bien l'aligner à la route. Et voilà. Donc ça, normalement, ça devrait aller. Par contre, maintenant que je réfléchis, attendez. On va peut-être le déplacer un petit peu plus loin. Voilà. Et le mettre un peu en recul. Parce que j'ai pas pensé, mais il faut également placer l'entrée et la sortie ici. Donc, vaut mieux. Non, je veux pas sauvegarder. Je veux lui le modifier. Donc on continue sur. On va faire comme ceci. Ouais. Et voilà. Et ici le train il partira. Comme ça on pourra mettre l'entrée et la sortie de ce côté-ci. On fera rentrer par les bâtiments et sortir par les bâtiments. Attendez, je vais regarder juste un petit truc. Ouais, ce serait mieux comme ça, je pense. Voilà. On va garder ça. Et maintenant, on va faire les voies qui vont passer à travers le parc au complet. Quoique l'Iron Horse. Je sais pas, je suis pas convaincu par les voies en fait. Non, je suis pas du tout convaincu. Je pense qu'on va partir sur un monorail de tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais, un monorail, je pense que ça passera mieux.
Bon, ça fera un bizarre dans certaines zones, je dis pas, mais ça passera un peu mieux. On va... Je pense que je suis bien aligné. On va mettre la sortie comme on a dit. Hop. Et voilà. C'est parfait comme ça. Ici, je pourrais construire 2-3 bâtiments sur l'avant, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va faire partir le monorail dans le parc, ce qui fera la toute première attraction du parc d'ailleurs. Hop. On va lui faire prendre la courbe comme ceci. Et il faut bien qu'il passe ici. Par contre, au pire, je terraformerai un petit peu au-dessus. Voilà. Ici, il va rentrer dans un tunnel qui va tourner très légèrement. Voilà. Ici, il va continuer. Il va re-rentrer dans un tunnel. Il arrive dans cette zone-ci qu'on ne sait pas encore trop ce que ça va être. Il va avoir une station. Ouais, on fait une station directement ici. Ensuite, il va repartir. Le faire passer ici. Ici, il me semble que la montagne n'est pas assez haute, mais s'il faut, on re-terraformera tout de suite après. Hop. Ah, quoique si on le fait rentrer comme ça dans la montagne, attendez. Là, il me semble que ce sera bon. Voilà. Il va se perdre ici. On va le retrouver de l'autre côté. Donc on va le faire tourner un petit peu plus maintenant. On va le faire se retrouver par ici. Voilà. Il sort de la montagne. Bon, il y a un petit trou que je corrigerai. Donc là, il est bien de l'autre côté de la montagne. Hop, on va le faire passer comme ceci. Mettre la station. Les stations, évidemment, je les corrigerai entre deux. Donc, non, même pas la station ici. Hop, je pense que même directement ici. Ouais, mais ça va pas. On va réduire la taille des voies. Et la station comme ceci, là ça passera. Voilà. Là c'est parfait. Ensuite, il va repartir vers cette zone ici, qui passe également à travers la montagne. Hop. Hop, on fait tourner légèrement pour qu'il rentre bien dans la montagne. Voilà, il ressort par ici. Il ressort comme ceci. Non, pas autant. Ici, on lui met une dernière petite station. Et on le fait repartir de nouveau. On va le terminer automatiquement. Voilà, comme ça. Donc ici on a les différentes zones. C'est encore à voir ce qu'on va faire dans ces zones. Hop. On a combien de temps d'épisode? 18 minutes. Donc ce qu'on va faire c'est mettre 5 trains. Déjà ça. Attendez. Nombre de trains 5. Parce qu'ici c'est une assez grosse station. Donc on pourrait en faire rentrer 2. On va tester. Et ce qu'on va faire, c'est que justement dans chacune des stations, on va dire qu'il ne doit pas bloquer la station. Comme ça, le train il roulera toujours en boucle. Voilà, la 14. Maintenant, celle-ci ne pas bloquer. Et la dernière, on lui dit de ne pas bloquer. L'ai-je bien mis en test? Normalement, elle est en test. Je comprends pas pourquoi elle ne tourne pas. Je ne sais pas encore pourquoi ça ne tourne pas. Donc, si vous avez des idées de quelle zone je pourrais faire à gauche, à droite, d'ailleurs même, je pense que je vais faire quelque chose ici.
Hop. Voilà, donc ça, on va en faire un petit tunnel. Ici aussi, ça va être un petit tunnel. Voilà. Bon, malheureusement, le jeu ne nous permet pas d'aller jusque-là. Donc, on va faire ça. Évidemment, j'ai foiré mon coup. On va faire ça. Voilà, comme ceci. Et on va bien terminer tout doucement ici. Voilà. Donc, on aura l'entrée du parc. Ici, avec 2-3 petits bâtiments. On aura... Ah, ça, c'est particulièrement ennuyant. Hop, voilà, parfait. Donc on aura l'entrée du parc avec 2-3 bâtiments. D'ailleurs, je viens de penser qu'ici ça sert trop à rien ce que je viens de faire. Donc attendez, que j'essaie de supprimer ceci. Si j'y arrive jusqu'au bout, au moins une grosse partie, j'espère. Parce que, ouais, voilà, je sais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien ce que je viens de faire. Hop, on va faire comme ceci. On va remettre comme c'était. Voilà. Ça sert à rien parce qu'ici il va avoir toute une série de bâtiments. Donc dans tous les cas on ne verra pas. C'est plutôt de ce côté-ci que je devrais camoufler avec des bâtiments. Donc ça fait déjà un beau petit épisode. Je propose qu'on se retrouve pour le prochain. Et je vous dis salut à tous.